Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Dieu de Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Veille en allégresse quand il chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, point de réjouis-toi. Offrez, les au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Jusqu'à quel niveau tu aimes Dieu? Until what level do you love God? La première chose que je veux te dire, the first thing I want to tell la consécration, consecration vérifie l'amour que tu as pour Dieu. Checks your love for God. Donc avec la consécration, tu dois aimer Dieu. So with consecration, you must love God. Numéro 2. Number 2. La consécration doit te faire aimer Dieu plus que les autres. Consecration will make you love God more than the others. Voilà le challenge que l'église doit livrer. This is a challenge the church must have. S'il y a une sainte guerre. If there is a holy war. S'il y a un saint combat. There is a holy battle. Qui doit être livré entre frères et sœurs en Christ. That must be made between brethren in the Lord. C'est le combat de qui aime Dieu plus que l'autre. It is a battle of who loves God more than the other. Tu sais pourquoi? Do you know why? Un jour Jésus one day Jesus rencontre les disciples qui sont en difficulté, ils veulent pêcher. Met the disciples in difficulty, they wanted to et fish. Il réussit à les faire gagner les poissons dans Jean chapitre 21. He succeeded to make them fish in John chapter 1. Et ses disciples réalisent que ce Dieu, ce Jésus est puissant, il est fort. And they realize Jesus is powerful and strong. Pendant qu'ils sont encore en extase, en excitation du miracle qu'ils ont vu et vécu, while they are still excited about the miracle they have seen, Jésus tire l'un d'eux à côté. Jesus took one of them aside. Et cette personne s'appelle Pierre. And that person is called Peter. Et il dit à Pierre, told Peter, m'aimes-tu? Do you love me? Plus que ne m'aime ceci. More than those one. En fait, in real, Jésus ne demande pas à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jesus is not asking Peter, do you Jésus love demande me? À Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? He asked Peter if he loves me more than the others. Je répète, I repeat, Jésus ne demande pas à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jesus doesn't ask Peter if he loves him. Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? If he loves him more than the others. Non, aimer Dieu ne suffit pas. So loving God is not enough. Un chrétien normal peut aimer Dieu, ça va. A normal Christian can love God, it's mais okay. Un appelé doit aimer Dieu plus que les but autres. A person who is called must love God more than the others. Un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, child of God, servant of God, doit être capable de se vanter de ce qu'il aime Dieu plus que les autres. Must be able to boast about the fact he loves God more than the others. Est-ce qu'on peut lire le verset 15? Il est écrit. Jésus dit à Simon Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, il n'a pas répondu, il n'a pas donné la bonne réponse. He didn't give the good answer. Il n'a pas dit, est-ce que tu m'aimes? He didn't say, do you love me? Il a dit, est-ce que tu m'aimes plus que tes frères? But do you love me more than your brothers?
Est-ce que tu m'aimes plus que tes collègues? Do you love me more than your colleagues? Dans la chorale, si, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Do you love me more than the others? Parmi les pasteurs, si, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Do you love me more than those pastors? Écoute ce que ma version dit. Listen to my version. Il dit, Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? Donc quand tu regardes ta façon de servir Dieu, est-ce qu'on peut dire celle-ci, celui-ci, aime Dieu plus que ses frères? Ou bien tu te plais de savoir que de tous mes frères, je suis la plus rebelle. Hein? Je suis celle qui n'aime pas trop Dieu. Hein? En fait, tu ne sais pas dans quoi tu te trouves. La mort. Ceux qui aiment Dieu ont plus que les autres, ont plus d'avantages venant de Dieu que les autres. Those who love God have more advantages from God than the others. Mon ami, my friends, celui qui aime Dieu plus que les autres, he who loves God more than the others, aura plus d'opportunités venant de Dieu que les autres. Will have more opportunities coming from God more than the others. La consécration vise premièrement firstly, à augmenter l'amour increases love que tu as that you have pour Dieu. For God. Et là, and then, tu dois servir. You must serve. Il dit, est-ce que tu as plus d'amour? Do you have more love? Si oui, if yes, je te donne les clés. I give you the key. Tu veux l'onction? You want anointing? Pour faire les miracles? To perform miracles? Prophétiser? To prophesy? Guérir? To heal? La grande église? The great church? Attirer la foule? To attract the crowd? Si tu n'aimes pas Dieu plus que les autres, if you don't love God more than the others, va prendre le fétiche comme les autres prennent là. Take fetishes like others are taking. Mais la vraie, but the real, onction anointing de Dieu of God n'est donnée qu'à ceux qui aiment Dieu plus que les autres. Is only given to those who love God more than the others. Et on va réaliser ça dans ton niveau de radicalisme. We'll see it in your level of radicalism. On va remarquer ça dans ton niveau d'extrémisme. We'll notice in your level of extremism. Une personne qui est ni chaude, a person who is neither ni froide, or cold, tu seras là. You'll be there in the middle, comme tout le monde. Like everybody. Mais tu ne peux pas avoir but you cannot have ce qui est meilleur. What is better. Entrons à l'église au même moment. Let's enter the church at the same prions time de la même façon. Let's pray from the same manner. Faisons les mêmes cultes. Let's attend to the same la différence church sera au niveau the difference will be at the level du zèle. Of the zeal. Et le zèle the zeal dépend de l'amour. Depends on love. Je vous ai dit, I say it. Le nombre d'années dans l'église n'effraie que les inconscients. The number of years in church only scares those who are unconscious. Oh my God. Le nombre d'années dans l'église n'effraie que les inconscients. The number of years in church only scares those quelqu'un peut faire 15 ans à l'église. Somebody can spend 15 years in the church. Il monte, il est chaud, il est froid. Il est chaud, il est froid. Il est engagé, il est... Tu n'es rien. You are nothing. Regardez ce que vous copiez au Nigeria. Look at those you copy in Nigeria. Ils vont campagne sur campagne. They go campaign upon campaign. Programme sur programme. Program upon program. Sacrifice sur sacrifice. Sacrifice upon sacrifice. Je ne sais pas si vous les regardez. I don't know if you look que at ce soit le docteur Enenche, Bishop Oyedepo, l'apôtre Suleiman. Chaque semaine, un programme. Every week, a new program. Oh, je veux son onction. Oh, je reçois, je me connecte. Tu peux te sacrifier pour Dieu comme ils le font. Can you sacrifice yourself for God the way ou bien c'est la doing convoitise de jet privé, la convoitise de l'argent qui te dérange. Or you just covet what they have. Oh, je me connecte, je serai la femme d'un grand serviteur de Dieu. I'll be the wife of a great servant of God. I connect myself. Est-ce que tu allais lire le livre d'une femme d'un grand serviteur de Dieu? Did you read the book of a wife of a great servant of God? Pour voir le niveau de sacrifice de jeûne et de prière qu'elle s'est imposé. You see the level of sacrifice, fasting and prayer she imposed to herself. Ou bien tu seras femme de grand serviteur de Dieu parce que tu t'habilles bien. Or be wife of a great servant of God because you dress well. Parce que tu sais te coiffer, te because parfumer. You know how to perfume yourself. Si tu sais seulement te coiffer, te parfumer, te oindre, deviens la femme d'un grand footballeur. If you only know to do those things, become the wife of a great mais pas d'un grand serviteur de Dieu. Not a great servant of God. La consécration consecration doit t'amener must bring you à aimer Dieu to love God plus que tes frères. More than your brothers.
Donc, on doit entrer dans un challenge cette année. So we must enter in a challenge this year. Quel est le pasteur qui aime Dieu plus que les autres pasteurs? Who is a pastor who loves God more than the other pastor? Quel est l'ancien qui aime Dieu plus que les autres anciens? Who is the other who loves God more than the other? Parmi tes enfants, quel est l'enfant qui aime Dieu plus que les autres? Tu dois savoir sa parent. Hein? Among your children, who do you? C'est là que ça, la clé se trouve. That's where the key is. Si tu veux savoir, if you want to know, écoute-moi. Listen. Samson avait plus de grâce que les autres, mais il est mort mal. Samson had more grâce than the other, but he didn't die. Ne te fie pas seulement la grâce que tu as. Avec la grâce que Dieu dépose dans ta vie, les portes peuvent s'ouvrir, les opportunités peuvent arriver, mais tu finis mal. Très vite, tu montes vite, tu brilles vite, travail vite, mariage vite, enfant vite, opportunité vite. Mais comme tu n'aimes pas Dieu, tu vas te tourner vers ce qui va te tuer. Quand tu regardes l'histoire de Timothée, when you look at the story of Timothy, Timothée aimait Dieu. Timothy was loving God. Il a consacré sa vie à Dieu. And he consecrated his life to Je God. Crois, dans Philippiens chapitre 2, on va lire. I think in Philippians chapter 2, à partir du verset peut-être 19, as from verse 19. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous ceux qui m'entourent, Paul ne parle pas des païens, mais des gens qui sont à l'église, cherchent leur propre intérêt. Chers leaders, pasteur, tu m'écoutes sur internet, tu me regardes à la télé, you're watching on TV. Une personne qui arrive vers toi you, et ne se focalise que sur son problème est dangereuse pour l'œuvre. Aucune œuvre de Dieu ne peut se bâtir sans que des sacrifiés ne se présentent devant Dieu. Quand tu vois ça, il y a la lumière, il y a les carreaux, il y a les écrans, il y a des gens ici que tu ne peux même pas imaginer. Ça fait un an, ils dorment sous le froid ici. Ce n'est pas parce qu'on les paye, c'est l'amour qu'ils ont pour Dieu. Il dit, Timothée, vous là, you, je ne peux pas vous faire confiance I cannot trust you, parce que j'ai réalisé ce qui vous intéresse, what interests you, c'est votre intérêt. Is your own interest. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. La question que je te pose, you, quand tu te lèves le matin, when you wake up in the morning, quel est l'intérêt de Jésus dans ce que tu vas faire? What is the interest of Jesus in what you will do? Tu sais pourquoi je veux que nous ayons beaucoup d'argent? You know why I want us to have a lot of money? C'est pour qu'on serve Jésus avec. Hein? For us to serve Jesus with pour ceux qui n'aiment pas quand je parle de l'argent, là, hein? Those who don't love when I talk about vous savez money. Même pas là où je vous amène. Hein? You know where I'm bringing you. Pour ceux qui ne veulent pas que je parle de la richesse là, those who don't want me to talk about vous ne savez pas là où je vous amène. You don't know where I'm bringing you. Je vous amène au niveau où I'm bringing you at the level where on doit être capable en un an you must be able in one year de dépenser 2 milliards pour l'œuvre de Dieu, to spend 2 billions for the work of God, pour sauver les âmes, to save souls, pour prêcher l'évangile, to preach the gospel, pour nourrir les orphelins. To feed the orphans. C'est à ça que je vous amène. This is what I'm bringing you to. Parce que aimer, because loving c'est donner. Is giving. Tu ne peux pas donner you cannot give si tu n'as pas. If you don't have. Et je l'ai dit sur Internet il y a quelques jours. And I said it on the Internet a few days ago. Par conséquent, consequently, si tu ne peux pas donner, if you cannot give, tu ne peux pas réellement aimer. You cannot really love. Je reprends. I repeat, aimer, loving, c'est donner. Is giving. Si tu ne donnes pas, if you don't give, c'est que tu n'aimes pas. It means you don't love. Et si tu n'as pas, and if you don't have, c'est que tu ne peux pas réellement aimer. It means you cannot really love. J'aime mes frères. I love my brothers. J'aime mes enfants. I love my children. Mais c'est le voisin, it's your neighbor, qui les nourrit. Who feeds them.
Oui. En consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Il a été mis à l'épreuve en se consacrant. He was tested by consecrating himself. La consécration, consecration, lorsqu'on aime Dieu, when we love God, c'est d'abord pour l'évangile. It is firstly for the gospel. Tu es en France. You are in France. Tu es aux États-Unis. You are in United States. Tout ce qu'on va consacrer là, all what we will consecrate, c'est d'abord pour l'évangile. Firstly for the gospel. Quand on dit consécration, when we say consecration, les gens veulent seulement venir donner le sacrifice. People just want to give the sacrifice. Et Dieu va les bénir. And God will bless pour them. Faire quoi? To do what? L'onction qu'il va déposer sur vous, the anointing will drop upon les you. Portes qu'il va ouvrir, the doors he will open. Les opportunités qu'il vous a, il va vous donner, the opportunities he will give you. C'est prioritairement pour l'avancement, for the progression, la prédication, the preaching de l'évangile. Of the gospel. J'ai la voiture. I have a car. Je mets au service de Dieu. I give it to the service of God. J'ai la maison. I have a house. Je mets au service de Dieu. I give it to the service of Je God. Suis belle. I am beautiful. Je mets au service de Dieu. I use it for the service Je suis of God. Éloquent. I am eloquent. Je mets au service de Dieu. I use it for the service of J'ai God. Les relations. I have connections. Je mets au service de Dieu. I use them for the service C'est of God. Ça. This C'est is pour ça that is why qu'on consacre. We consecrate. Esther. 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 Esther n'a pas été consacrée was not consecrated pour aller faire les enfants to have children avec Assuérus. With the king. Les enfants children étaient secondaires. Were the second plan. L'argent d'Assuérus était secondaire. Was at the second Esther plan. Était consacrée Esther was consecrated pour une occasion précise, sauver le peuple de Dieu. To save the people of God. Le malheur de plusieurs, the disaster of many people, c'est que dans sa tête, is that in their head, cette année je me marie. This year I will get married. J'ai trop attendu, je me marie cette année. I will get married this year. Une seule question. Just one question. Tu te maries pourquoi? Why do you get married for? Parce que j'ai l'âge. Because I'm advancing Erreur. In years. Error. Parce que les gens se moquent de moi. Because people Erreur. Mock me. Error. Parce que le froid, le célibat me Erreur. Because of celibacy. Error. Si il n'y a pas prioritairement évangile dedans. If gospel is not a priority. Tu peux te marier. You can get married. Mais Dieu n'est pas là. But God is not there. Il faut à tout prix que je sois nommé. I must be appointed at all the cards. Il faut à tout prix que j'ai l'argent. I must have money at all the price. Pourquoi? Why? La consécration, consecration, c'est pour ceux is for those qui vont servir l'évangile. Who will serve the gospel. Amen. Tu es ancien d'église? Are you elder of church? Tu es évangéliste? Are you evangelist? Tu es pasteur? Are you pastor? Tu dois prêcher l'évangile. Preach the gospel. Et tout ce que Dieu te donne. In all what God gives you. Et tout ce que Dieu t'a fait. All what he has done to you. Tu dois sauver les âmes. Save souls. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve. En se consacrant au service de l'évangile en avec moi. En se consacrant au service de l'évangile. De l'évangile. Avec moi. Avec moi. Comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai. Lui, je peux vous l'envoyer parce que j'ai vu sa consécration. Yes. Avec moi. Si tu aimes Dieu, if you love God, il faut qu'un père le témoigne. A father must testify this. Ce n'est pas que tu lèves le matin, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, mon église, Dieu m'a dit, mais mon argent, Dieu t'a dit. God told you. L'amour de Dieu God's love dans le cœur d'Élisée in the heart of Elisha a été confirmé was confirmed par Élie. By Elijah. Jésus demande à Pierre, Jesus asked Peter, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Do you love me more than the others? Et Pierre donne une réponse incomplète. And Peter gave an incomplete answer. Ce que Jésus voulait entendre, what Jesus wanted to hear, je t'aime plus que les autres. Mm. Yes, I love you more than the others. Le premier sujet de prière qu'on va faire ce soir. The first prayer point we are going to do tonight. Seigneur, Lord, fais-moi t'aimer plus que mon voisin. Make Amen. Me love you more than my neighbor.
Fais-moi t'aimer plus que l'homme de Dieu. Make me love you more than the man of God. Fais-moi t'aimer plus que ma mère. Make me love you more than my mother. Fais-moi t'aimer plus que l'apôtre Pierre. Make me love you more than Apostle Peter. Fais-moi t'aimer plus que Bénigne. Make me love you more than Benny Hill. Fais-moi t'aimer plus que Judas. Make me love you more than Judah. Le traître. The traitor. C'est la première prière qu'on va faire. The first prayer point we are going un jeune homme va voir Jésus un jour. A young man went to see Jesus one day. Il dit à Jésus que je vais te suivre. And he told him, I want to follow you. Et Jésus lui dit, and Jesus replied, est-ce que tu pêches? Do you non, je ne pêche pas. No, I don't. Est-ce que tu mens? Do you lie? Je ne mens pas. No, I don't. Est-ce que tu voles? Do you steal? Je ne vole pas. I don't steal. Jésus a regardé ce que le type-là aimait le plus. Jesus looked at what the guy loved the most. C'était sa richesse. His riches. Il lui a dit, vends tout ça. And he says, sell everything. Donne ça aux pauvres. Give it to the poor. Et suis-moi. And follow le petit a regardé Jésus attentivement. He looked at Jesus attentively. Il a dit, vieux père, and he said, God, je Father, t'aime bien, I love you well, mais je préfère ma richesse. But I prefer my au revoir. Riches. Goodbye. Beaucoup font semblant d'aimer Dieu many people pretend to love God, jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau où until the day where they reach ils doivent choisir entre ce Dieu et ce qu'ils aiment le plus. Where they must choose between God and what they love the most. Il y aura toujours un carrefour, cher pasteur, there will always be a crossroad, dear où vous serez appelé à faire un choix. Where you'll be called to make a choice. Oui. Luc chapitre 18, à partir du verset 18, il est écrit. Il est écrit. Un chef interrogea Jésus et dit. Et dit. Bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Uh-huh. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Mm-hmm. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tu connais tout ça? J'ai, dit-il, observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses parce que c'est facile. Easy. Jésus ayant entendu cela, oui, lui dit, il te manque encore une chose. Une chose. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Sell all what distribue-le you aux pauvres. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. C'est pour ça que je dis souvent. That's what I usually say. Quand un pasteur prêche la pauvreté. When a pastor preaches poverty. Je vais croire à son évangile. I'll believe in his gospel. Le jour, il va vendre tout ce qu'il a. The day where we sell all what he has. Il redevient pauvre comme nous. And he becomes poor like us. Un pasteur qui est riche ne doit pas parler de la pauvreté, c'est un méchant. A pastor who is rich must not talk about poverty, otherwise he's wicked. Le PDG de la Freeland First Bank, il a fait une interview où il disait. During an interview, pas moi, je te dis ce qu'il a dit. I just repeat what he said. Il dit que le pape est hypocrite. He said the pope is hypocrite. Que si le pape voulait sauver l'Afrique, if the pope wanted to save Africa, il vend seulement un poteau en or qui est au Vatican. He will have sold a golden post that is in Vatican. Il vient nourrir les Africains avec l'argent de ça. To feed Africans with the money gained. Donc il ne peut pas avoir pitié des pauvres. Have pity on the poor. Alors qu'il a la ressource pour nourrir les pauvres, il ne le fait pas. Meanwhile, he has resources to feed poor and he doesn't do it. C'est l'hypocrisie. It is hypocrisy. C'est pour ça que je ne crois pas. That's why I don't believe. À votre évangile. In your gospel. D'hypocrite là. Of hypocrites. Moi, je crois. I believe. Que Dieu doit nous bénir. That God Amen. Must bless us. Tu ne peux pas changer ça. You cannot change it. Je crois. I believe. Qu'il te faut beaucoup d'argent. That you need Amen. To have much money. Je crois. I believe que Dieu doit t'élever. That God must lift you up. Tu vas mieux servir Dieu avec ça. You will serve Amen. God with that. Sois humble. Be humble. Et quand celui qui te dit sois humble là te parle, il a visualisé l'humilité comme marcher doucement, marcher lentement, être sale, ne pas se laver, marcher à pied, avec les sans confiance. Voilà comment ils ont visualisé, défini l'humilité. This is how they define humility. Vends tout ce que tu as. Sell all what you have. Il dit quoi, Jésus? Vends tout ce que tu as. Uh-huh. Distribue-le aux pauvres. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, hey! Il devint tout triste, car il était très riche. Consécration. Secretion. Tu dois te séparer de certaines choses. Separate yourself from some things. Pour aimer davantage le Seigneur. To love the Lord more. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, mm-hmm. dit,
Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. D'entrer dans le royaume de Dieu. Quand Dieu veut sauver un riche, il donne une petite maladie là. When God wants to save a rich man, he sends a little sickness. Tu dis que ton pasteur là peut prier pour moi. Do you say your pastor can pray for me? Quand Dieu veut sauver un riche, il fait qu'on le licencie. When God wants to save a rich, he's dismissed. Quand Dieu veut sauver un riche, il fait qu'il y a les problèmes dans son lieu de service. He brings some problems in his workplace. Mais celui qui dit qu'il est riche, il est méprisant envers les pasteurs. But he who says he's rich is scornful towards méprisant envers l'église. Scornful towards the church. Quand Dieu aime un soi-disant riche, when God loves a seeming rich, il lui envoie un seul mauvais esprit. He just sent him one evil spirit. Si tu veux être consacré au Seigneur, if you want to be consecrated to the Lord, il y a des alliances que tu dois couper. There are some covenant you must break. Il y a un verset qui m'intéressait, je crois, Malachi 2, verset 11. Malachi 2, verse 11, I think. Ou bien à côté de ça. Il dit Israël qui était consacré au Seigneur est devenu abominable parce que Israël est allé épouser la fille d'un dieu. Turning abomination because Israel got married to the daughter of a god. La fille d'un démon. The daughter of a demon. Tu ne peux pas me dire you cannot tell me que tu veux que le Seigneur consacre ta fille. You want the Lord to consecrate your life. Mais tu es tellement à l'aise but you are so comfortable à faire des alliances avec les to make covenants with pagans. Tu es heureux. You are happy. Quand tu es en alliance avec les satanistes. When you're in covenant with satanists. Malachi. Malachi. Chapitre 2. Combien Dieu est grand. Verset 11. Judas s'est montré infidèle. Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël. Et une abomination a été commise en Israël. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel. Et s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Et s'est uni à la fille d'un dieu étranger. He married the daughter of a foreign god. Tu dis que tu appartiens au Seigneur. Do you say you belong to the Lord? Tu es uni à qui? To whom are you united? Ton sacrifice, your sacrifice nous donnera l'autorisation de mettre l'huile sur toi. Will give us authorization to pour all. Mais l'union que tu n'as pas brisée avec le démon là, but the union you didn't break with the demon, va empêcher à l'huile qui a touché ta tête will hinder the oil that touched your head, d'agir dans ta vie. To act in your life. Chaque personne qui est ici, every person who is here, avant d'être consacré, before being consecrated, doit d'abord se séparer. Must first of all separate herself. Avant d'être consacré, before being consecrated, doit d'abord se déconnecter. Must disconnect herself first. Tu sais? Do you know? Quand tu vois l'histoire de Joseph, when you see the story of Joseph, l'histoire de David, the story of David, l'histoire de Daniel, the story of Daniel, Dieu les a déconnectés de certaines personnes avant de les consacrer. God disconnected them from some people before consecrating them. Il y a des amitiés, des compagnies, there are some friendship companies inutiles, that are useless. Non, je dis ça autrement. Il y a des compagnies, there are some companies qui vont déranger ta consécration. That will disturb your consecration. Il y a des amitiés, there are some friendships qui vont déranger ta consécration. That will disturb your consecration. Regarde. Look. Isaïe, Dieu a jeté son dévolu sur sa famille. God put his eyes upon the family of Jesse. Et Dieu veut consacrer un de ses enfants pour la royauté. And God wanted to consecrate one of his child for the royalty. Et Dieu dit à Samuel. And God said to Samuel. Va consacrer un fils d'Isaïe. Consecrate a son of Jesse. Tu ne sais pas lequel, mais va. You don't know who among them but go. Et quand Samuel arrive, and when Samuel came, Isaïe lui présente les sept fils qui sont dans la distraction, qui sont au contact de tout le monde. Jesse presented the seven sons distracted in contact of everybody. Et Dieu n'a agréé aucun d'eux. And God accepted none of them. Il n'y a pas de vraie consécration sans séparation. There is no real consecration without separation. Tu sais pourquoi Jonas veut aller à Tarsis? You know why Jonah wanted to go to Tarsis? Il a choisi le bateau où il y avait les riches hommes d'affaires. He chose the boat where there were rich businessmen. Moi, je prêche les connexions. I preach to have connections. Je prêche les réseaux. I preach
Je prêche les grandes amitiés. Mais Dieu, avant de t'élever, te sépare. Il t'est seul. Il te maintient d'abord seul. Parce que quand Dieu te parle dans le bruit, tu n'écoutes pas. Si tu veux à tout prix t'élever par une consécration, et que tu refuses la séparation sera obligatoirement brutal dans ta vie. Il y a un type de personnes qui vont arrêter de te parler sans motif. L'autre vient de Dieu. Comme tu ne veux pas comprendre, ça va te faire plus mal. Jonas doit aller, a été consacré par Dieu pour aller évangéliser à Ninive. Il préfère Tarsis parce que le bateau là était rempli de milliardaires. Tu sais quoi? Cette proximité avec ces milliardaires païens a déconsacré Joseph. Et Dieu lui a dit, ne t'en fais pas. J'ai un lieu sûr où je vais te reconsacrer. Dans le ventre du poisson. Tu veux, tu veux pas, tu vas prier là-bas. Écoute-moi. Si tu laisses qu'on prie pour toi, qu'on te consacre, et que tu ne veux pas te séparer d'un type de personne, il y a un poisson qui t'attend cette année. Tu n'es pas obligé de dire amen. L'huile déposée sur ta tête est un piège. Il dit, Israël a commis une abomination en allant épouser la fille d'un démon. Il y a des gens que tout le monde aimerait fréquenter, aimerait côtoyer, mais ta consécration te l'interdit. Parmi businesses, partenariat, commerce, activité professionnelle, mais pas amis. But not friends. Mais pas amour. But not love. Et Jonas, pendant qu'il est dans la barque des riches, while Jonah was in the boat of rich men, tu sais quoi? You know what? Sa consécration perturbe le voyage. His consecration disturbs the trip. Et lui, pas dormi. And he slept. Et quand le voyage commence à être perturbé, when the trip was disturbed, la tempête souffle sur le bateau, the storm is blowing upon the boat, les riches là invoquent leur Dieu, rich men call upon their gods, auxquels ils ont été consacrés. To whom they were consecrated. Et aucun de leurs dieux ne les exauce. None of their gods answer them. Parce que la consécration de Jonas, because the consecration of Jonah, est incompatible, it's incompatible avec les dieux que ces gars invoquent. With the gods of, that those people invoke. Plus ils invoquent leur dieu, the more they call upon their gods, plus la tempête bouscule la barque. The more the storm shakes the boat. Parce que Jonas a quelque chose sur sa tête. Because Jonah had something upon his qu'il head. Qui n'aime pas fréquenter les gens qui invoquent la qualité de Dieu là. That is like to go with those who invoke that kind of God. Et quand ils ont fini le tout d'essayer, when they tried everything, on dit, il y a un autre ici, lui là, un autre Dieu. Est-ce que lui ne peut pas aussi invoquer son Dieu? Can he not invoke his God too? Il a dit, ce n'est pas la peine d'invoquer un Dieu ici. He said, it's not necessary. Enlevez-moi de vos affaires. Remove me from your business. Et vous allez vous en sortir. And you will make it. Est-ce que tu sais, do you know, que l'onction de Dieu sur ta vie, the anointing of God upon your life, ajoutée à ta têtutesse, added to your stubbornness, peut gâter les business de ton show, can destroy the businesses of your boyfriend. Ton show, ses affaires chutent parce que tu es têtu. The businesses of your boyfriend fall bankrupt because you are stubborn.
Dieu a un plan pour toi, tu sais, mais tu es têtu. God has a plan for you, you know it, but you are stubborn. Le type qui entre dans ta vie là ne te connaît pas. Toi, tu n'es pas un enfant normal. The guy who enters your life doesn't know you are not a normal. Il a vu une belle fille. He's a beautiful girl. Il a vu une belle personne. A beautiful person. Qui a les formes. Who has shape. Intelligent. Intelligent. Qui aime l'église. He loves the church. Mais ne sait pas que tu es un piège. He doesn't know you are a trap. Parce que l'huile sur ta tête a une direction, a un chemin pour toi. Mais ta têtutesse t'a fait quitter le chemin, rencontrer le monsieur, le voilà, ses affaires sont à terre, sa santé à terre, sa famille à terre. C'est toi, madame, c'est toi, c'est toi. Laisse le monsieur le trouver tranquille. Suis le chemin de ta consécration. Amen. Tu viens t'asseoir à l'église comme quelqu'un de normal. Mais il y a quelqu'un quelque part, son entreprise est en train de chuter. Ça cause de toi. Jonas leur a dit, arrêtez de prier. Enlevez-moi dans vos affaires. Et vous aurez la paix. Dès qu'on l'a jeté dans la mer, when he was thrown in the sea, le poisson l'a dit, oh, c'était toi, ok, allons-y, viens, viens, allons-y. The fish, le poisson a ouvert la bouche, Jonas est venu entrer. Un bandit. Et ils sont partis. Et la barque a continué sa route. Mais le problème, the problem, c'est qu'ils ont continué après s'être appauvris. They kept on being impoverished. Tu es méchant. Wicked. Il y a des gens qui seront appauvris à cause de toi. There are people that will be impoverished because of you. Tu es méchant. You are wicked. Tu sais ça? Do you know that? Tu es méchant. You are wicked. Jonas était un méchant. Jonah was wicked. Il savait. He knew. Il les a laissés prier plusieurs heures, plusieurs jours. Let them pray for many days and how? Perdre leur cargaison. They lose their cargo. Perdre leur investissement. They lose their investment. Perdre leur marchandise. They lose their merchandise. Ils sont nombreux comme ça à l'église. You're numerous like that in church. Quand je veux aller en France en 2013 ou 14, when I wanted to go to France in 2014 or 13, et qu'on me refuse le visa, and I was refused visa, je n'ai pas pleuré parce que je savais que je fuyais. I didn't cry because I knew I was running away. Je partais en France pour fuir l'appel. I was going to France to run away. Donc from quand the ils call, m'ont dit, écoute, ils me refusent le visa, le motif, écoute bien. Listen. Le motif c'est que the reason is that j'ai trop d'argent dans mon compte. I have a lot of money in my bank account. Pour dire que je pars pour fréquenter. To say I'm going there to study. Qu'un étudiant ne peut pas avoir la carte dans son compte. A student cannot have that kind of money in his bank account. J'ai su ça quand mon avocat a porté plainte à Nantes. I knew that when my lawyer pleaded on a donné le motif Nantes, réel. It was given the real il reason. Dit qu'il n'a pas fait un billet. Pourquoi il a l'argent dans son compte comme ça? Why does he have money in his bank account? Donc on croyait que c'est l'argent dans le compte qui donne la capacité à avoir facilement le visa. Moi ça m'a combattu. It fought me. Quand tu veux fuir le chemin tracé par la consécration, when you want to flee the way made by les avantages vont devenir des obstacles. The advantages will turn in obstacles. Ce qui passe pour les autres, pour toi, ça va se bloquer. What is given to others will be blocked for you. Tout le monde vient, le concours, là, il passe. Tout le monde vient, le réseau, là, il passe. Comme toi, tu veux fuir l'appel, le réseau, là, va se bloquer. As you want to feel the call, that network will be blocked. Et tu viens pleurer si tu sais, you know, que toi, ta vie n'est pas comme pour les autres. Your life is not like the other. Tu as une huile sur ta tête. Tu as une grâce sur ta tête qui a un chemin spécifique. A specific way. Si tu te détournes à gauche ou à droite, right, ceux qui t'accompagnent, ceux qui t'encouragent vont perdre. Ton histoire your story n'est pas comme pour les autres. It's not like for the il a dit others. Abraham, he said, Abraham, je te donne I give you fils de promesse son of promise avec Sarah. With Sarah. Et Sarah lui dit, and Sarah says, peut-être Dieu maybe God veut que ce soit avec Agar. Wants it to be with ils ont essayé Agar avec Agar, tried with tu Agar connais la suite. You know the story. La consécration consecration que tu es censé avoir that you are supposed to have a un chemin spécifique has a specific way que tu dois connaître. That you must know.
Comme tous les pasteurs font, tu vas aussi faire. Tu n'es pas tous les pasteurs. You are not all the pastors. Comme tous les prophètes font, tu vas aussi faire. Tu n'es pas tous les prophètes. You are not all the prophets. Comme tous les choristes font, tu vas aussi faire. Tu n'es pas toutes les choristes. You are not all the choristers. Comme tous les hôtesses font, tu n'es pas comme les autres. You are not like the others. Si tu es Esther, if you are Esther, tu es Esther. Si tu es Daniel, tu es Daniel. Si tu es Joseph, tu es Joseph. Ton malheur commence le jour où tu veux faire comme les autres alors que vous n'avez pas la même huile. Your disaster starts the day where you want to do like others. Meanwhile, you don't have the same oil. Vous n'avez pas la même grâce. You don't have the same grace. Vous n'avez pas la même consécration. You don't have the same consecration. Samuel reçoit l'instruction de Dieu. Receive God's instruction. Et Dieu lui dit. And God told him. Écoute-moi maintenant, je finis avec ça. Listen to me now. Je vais continuer ça demain. I will continue tomorrow. Tu ne vas pas consacrer le fils d'Isaïe comme tu as consacré le fils de Kish. You will not consecrate the son of Isaiah the way you consecrated the son of Jesse. Pour consacrer le fils de Kish, to consecrate the son of Jesse, tu as regardé la fiole qui était disponible. You looked at the cup that was available. Tu as prié, tu l'as oint. You anointed him. Mais pour aller consacrer le fils d'Isaïe, tu vas remplir la corne. But to consecrate the other son, you must fill the horn. Tu vas me lire ça. L'huile qu'on a versée sur David, the oil that was poured upon était David, une huile rempli dans la corne. Was full in the corn. Il y a des consécrations partielles. There are partial consecrations. Il y a des consécrations totales. And total consecration. Ce n'est pas l'huile de la corne qui a oint David, mais c'est l'huile remplie. But oil that was full. T'as vu ça? 1 Samuel chapitre 16, verset 1, il est écrit. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Oui. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne. Remplis la corne. Pas pour dispatcher entre tous les fils d'Isaïe. Not to distribute among all the sons of Jesse. Mais remplis la corne. But fill the horn. Pour verser sur un seul. To pour yes. upon just one. Parce que lui, sa vie n'est pas une vie normale. Because his life is not normal. S'il essaye de faire comme ses frères, ça ne va pas marcher. If he tried to do like his brother, it would not work. S'il essaye de marcher comme ses frères, ça ne va pas marcher. If he tried to work like his brother, it won't work. Son huile ne se partage pas. His oil must not be shared. Son huile ne se mélange pas. His oil must not be mixed. Son huile ne se compromet pas. Son huile ne se distrait pas. Yes. Écoute-moi très bien. Well. Tu es ici ce soir. Je ne parle peut-être pas à tout le monde. Tu as une grâce que Dieu a déposée sur toi. Yes. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Ce Dieu t'avait établi yes. depuis l'éternité. Mais aujourd'hui, tu veux te distraire comme les autres. Hey. La voix de Dieu te parle ce soir. Hey. Tu as intérêt à suivre oh ton Dieu. Hey. À marcher avec ton Dieu. Amen. À obéir à ton Dieu. Amen. À servir ton Dieu. Amen. À aimer ton Dieu. Amen. À adorer ton Dieu. Amen. À louer ton Dieu. Yes. À prêcher ton Dieu. Amen. Yes. Pour David, remplis-moi la corde et cherche-le. Yes. And seek him. Remplis ta corne d'huile. Les consécrations de cette année, of this year, on va verser l'huile sur tout le monde. Pour all upon everybody. Mais on ne va pas consacrer tout le monde. But we will not consecrate everybody. Yes. Tout le monde va recevoir l'huile. Everybody will receive oil. Mais tout le monde ne sera pas consacré. But everybody will not be consecrated. Yes. Remplis-moi ta corne. Remplis ta corne d'huile. Oui. Et va. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Oui. Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu l'a vu. God saw him. Et Dieu veut le consacrer. And God wanted to consecrate him. Je finis en te disant ceci. I conclude with this. La vie n'est pas un jeu. Life is not a game. La vie n'est pas un jeu. Life is not a game. Numéro 2. Number 2. Ta vie n'est pas une blague. Your life is not a joke. Ta vie n'est pas une blague. Your life is not a joke. Ta consécration doit être spéciale. Your consecration must be special. Parce que ton histoire est spéciale. Because your story is special.
La preuve. The proof. Même si tu es jumeau, even if you are twin, ton histoire n'est pas similaire à l'histoire de ton jumeau. Your story is not similar to yes. the story of your twin brother or sister. Ne t'inquiète pas par rapport au rejet, aux humiliations, aux attaques, aux blocages. Don't worry about that. Ton histoire est spéciale. Your story is special. Je ne suis pas venu prêcher à tout le monde ce soir. I'm not here to preach to everybody. Je suis venu parler à quelqu'un. I've come to talk to a person. Pour qui Dieu a dit à Samuel, for whom God said to Samuel, remplis la corne et cherche-le. Fill the horn and seek him. Remplis la corne et cherche-la. Fill up the horn and seek her. Pendant tout ce temps, all along this time, Dieu te cherche. God is seeking et you. Le jour des consécrations, il va te trouver. And the day of consecration, he will find you. Mes amis, my friends, nous n'allons pas faire dans le la coutume. It will not be a custom. Nous n'allons pas faire dans les habitudes. It will not be a use. Ce qu'on va faire ce jour-là, what we will do that day, sera l'aboutissement d'un long moment de préparation. Will be the finality of a long time of preparation. Je vois beaucoup de personnes qui s'amusent. I see many people who are playing. On dit consécration, ils vont apparaître seulement le jour des consécrations, bien habillés. We say consecration, they will only appear that they are dressed. You, à qui s'adresse ce message, whom this message is addressed, n'attends pas ce jour-là. Don't wait that day. Commence à te préparer maintenant. Start preparing yourself now. Tu vas voir ce jour-là, ce sera plein ici à craquer. That day, there will be the crowd here. Et la plupart seront des gens qui n'ont même pas suivi les enseignements sur la consécration. And most of them will have not listened to the teachings on consecration. Tu vas voir toutes les hôtesses seront bien habillées le jour là. All the hostesses will be well dressed that day. Alors here. Que la plupart n'auront même pas suivi 5 messages sur les consécrations. Meanwhile, most will have not listened to 5 messages on consecration. Toi que la corne remplie cherche. You, the unfilled is looking for. Je te donne une instruction. I'm giving you an instruction. À partir de maintenant. As from now. Il te faut au moins 2 jours de jeûne personnel dans la semaine. You need at least 2 days of personal fasting in the où week. Où tu dis Seigneur. Where you say Lord. Consacre-moi. Consecrate me. Tu ne demandes pas l'argent. You don't ask for money. Pas le mariage. Not marriage. Pas le voyage. Not journey. Tu dis Seigneur. But Lord. Distingue-moi. Distinguish me. Seigneur. Lord. Remplis-moi. Fill me up. Seigneur. Lord. Touche-moi. Touch me. Ces jours de jeûne là. Those days of fasting. Tu ne demandes pas le matériel. You don't ask material things. Tu dis Seigneur. You say Lord. Visite-moi. Visit me. Yes. Je te parle de quelqu'un qui a reçu l'huile de la corne remplie. Of the horn that was full. Tu sais ce qui s'est passé après? You know what after? Il est rentré en brousse. Je vais peut-être parler de ça demain. I will talk about that tomorrow. Mais ce soir, but tonight, la première chose que je t'ai dit, first thing I told you, la consécration, consecration doit te faire aimer Dieu plus que tous tes voisins là. Must make you love God more than all your neighbors. Doit te faire aimer Dieu plus que moi. Must make you love God more than I. Un vrai successeur, a real successor, doit aimer Dieu plus que son père. Must love God more than his father. Une vraie femme, a real woman, doit aimer Dieu plus que son mari. Must love God more than her husband. Un pasteur a réussi quand il a épousé une femme qui aime Dieu plus que lui. A pastor had succeeded when he got married to a woman who loves God more than him. Un parent a réussi quand il a produit des enfants qui aiment Dieu plus que lui. A parent has succeeded when he brought forth children who love God tu more than him. Tu connais d'où vient l'échec de Ève? You know where does the failure of Eve come from? Son fils Caïn. It's her son Cain. Un meurtrier. A murdered. L'échec de Rebecca. The failure of Rebecca. Esaü veut tuer Jacob. Esaü wanted to kill Jacob. Quand un parent, when a parent a des enfants qui n'aiment pas Dieu plus que lui, has children who don't love God more than plus he, que elle, more than her, c'est un échec. It is a failure. Quand on va à l'église en 2005, c'est notre mère qui nous amène. Our mother brought us to the church in 2016. En 2007. In 2007. Un jour, elle me dit, j'ai dit, she said one day, moi, je vous amène quelque part et maintenant, vous êtes déjà plus engagé que moi. I bring you somewhere and now you are more committed than I. Faut vous calmer. Calm down. Et vous êtes les enfants. You are still small. Je lui ai dit, écoute. I replied, listen. L'erreur que tu as donc commise, the mistake you committed, de nous amener là-bas, is to bring us there. Et Dieu t'a utilisé. And God used you. Sache ceci. Écoute-moi ce que je lui ai dit. Si tu meurs maintenant, if you die now, et que tu nous ressors de l'église, and you remove us from the church, on va faire comment? How will we do? Comme tu nous as amenés à l'église, as you brought us to the church, si demain tu meurs, if you die tomorrow, tu nous as fait du bien. You will have done et c'est good. Exactement ce qui s'est passé. This is what happened exactly.
Si tu n'aimes pas Dieu plus que ta maman qui t'a amené à l'église, c'est que ta mère a échoué. If you don't love God more than your mother who brought you to the church, it means your mother failed. Si tu n'aimes pas Dieu plus que le pasteur qui te suit, c'est que le pasteur qui te suit a échoué. If you don't love God more than the pastor who prays for you, it means the pastor who prays for you failed. Pasteur. Pastor. Pour tester l'amour des brebis. To test the love of members. Il faut les faire tourner un peu. Let them turn around for a bit. Demain, rendez-vous de prière à 14h. Tomorrow, rendezvous of prayer at 2 p.m. Tu arrives, Pasteur Aloïse. Pastor Aloïse. Tu dis, le rendez-vous, c'est plutôt demain. He postponed it tomorrow. Regarde les visages. Look at the faces. Parmi eux, among them, ceux qui attachent les visages, là, those who frown, c'est les sorciers. Are wizards. Hmm. C'est comme ça que nous, on nous a testés dans l'église. This is how we were tested in the church. Réunion avec le Père. Meeting with the Father. 15h le lundi. 3 p.m. on Monday. Attends jusqu'à 23h. We wait until 11 p.m. Quand il arrive à 23h. When he came at 11 p.m. Il ne descend pas de sa voiture. He doesn't descend from his car. Il appelle le pasteur principal. He called the principal pastor. Dis-leur que la réunion est renvoyée. Tell them that the meeting is postponed. Et quand nous, on entend le ronflement de sa voiture, on sort, on est heureux de voir sa voiture. We were happy to see his car. Et on veut savoir ce qu'il a dit, la réunion est renvoyée. He wanted to know what he said. The meeting il is postponed. Une réunion qui devait être tenue en 2006. But in 2006, il a renvoyé la réunion jusqu'au jour où on n'a pas tenu la réunion là. Until today, we have not done that meeting. Et ça n'a dérangé personne. And nobody was disturbed. On était content. We were happy. Mais quand tu vois un chrétien, when you see a Christian, tu donnes rendez-vous de prière, you give appointment of prayer, tu n'honores pas, you don't honor, il se fâche, he gets angry, il n'aime pas Dieu. He doesn't love God. Tu peux arriver à l'église, tu as rendez-vous le pasteur à 15h, le pasteur arrive à 16h. De 15h à 16h, tu nettoies l'église. You can come to the church, you have a rendezvous with the pastor, he comes late after you clean the church. De 15h à 16h, tu pries pour ta famille. From 3 to 4 p.m., you pray for your family. Pas quelqu'un, tu as rendez-vous le pasteur à 15h, 15h05. C'est quel pasteur qui est en retard comme ça? Non, le pasteur, c'est ton camarade. Pasteur, c'est ton ami. Il doit venir t'attendre. So, pastor must come to wait you. Tu sais quoi? Do you know what? Jésus a dit, Jesus said, ne vous en faites pas. Don't worry. Je pars au ciel. I go to heaven. Et je reviens. Ouais. Je reviens. Bientôt. 2000 ans. Là, dans bientôt, là, c'est comment? Fâche-toi, saute, tu cales en l'air, on voit. Jésus dit, je reviens bientôt. Ça fait 2023 ans. It's about 2023 years. Et bientôt, on est encore sur ça. And we are still talking about mais toi, two. Le pasteur est en retard de 5 minutes. But the pastor is late for 5 minutes. Nous, on est disciples de Jésus. We are disciples il nous a Jesus. Fait la promesse depuis 2023 ans. And he made us a promise since 2023. Je reviens. I'm coming bientôt. Back soon. Sors de l'église alors. Leave the church, we see. On reste rattaché we malgré le retard de l'époux the delay of the parce qu'on l'aime. Because we love him. Les veuves sages, les vierges sages, the wise virgins, les vierges folles and the mad virgins, se sont endormies they fell asleep parce qu'elles n'étaient pas préparées because à attendre. They were not prepared to wait. L'amour de Dieu so the love of God que tu as pour Dieu you have for God doit te faire être patient. Must make yes. You be patient. Amen. Si tu arrives à l'église une semaine bénédiction, deux semaines mariage, trois semaines enfant, cinq semaines, d'ailleurs, toi là, tu seras le plus grand païen dans 5 ans. You'll be the greatest pagan in 5 years. Je te promets. I promise. Tu seras le plus grand païen dans 5 you'll ans. You'll be the greatest pagan in 5 par years. Expérience. By experience. La plupart de ceux à qui on a fait beaucoup de bien à l'église se sont radicalisés, ont abandonné la foi le plus facilement possible. Most of those who were given a lot of good in the church abandoned faith so easily. Donc, la première chose de la consécration ce soir. The first thing of consecration tonight. L'amour. Love. Amour. Love. L'amour. Love. L'amour. Love. Plus que les autres. More than the others. La deuxième chose. The second thing. Il y a des consécrations. Il y a consecration. Qui tracent un seul chemin. That just make one way. Tu vas à droite. You go on your tu right. Tu vas à gauche. Your left. Tu vas perturber tous ceux qui marchent avec you toi. You will disturb all those who go with you. Tu vas gâter leur vie. You will destroy your tu life. Vas sécher leurs affaires. You will dry up their businesses. Parce que l'huile sur ta tête. Because the oil upon your est spéciale. Head is special. Numéro 3. Number 3. La consécration de cette année pour une personne sera faite avec une corne remplie. Will be done with a horn filled.
Et la personne qui va recevoir l'huile remplie de la corne, and the person that received that oil, c'est la personne qui, pendant ce temps de préparation, the person who, during this time of preparation, se sera déconnectée des distractions. Will have disconnected herself from distraction. La différence se fera ressentir au niveau des déconnexions. The difference will be felt at the level of disconnection. Isaïe avait des fils qui étaient dans l'ambiance, mais David était en brousse. But David was in the bush. C'est dans l'isolement de la prison in isolation of prisons, que Dieu a sorti Joseph pour l'élever. God removed Joseph to lift him up. C'est généralement après qu'il a été jeté dans une fournaise ou une fosse au lion, generally after being thrown in the lion's den, que une future promotion arrivait pour Daniel. That a future promotion came for Daniel. Si tu crois que pendant ces moments tu seras dans les ambiances et le jour des consécrations tu vas venir mettre ta tête ici, if you think during this moment you will feast on the day of consecration, you will be here. L'huile va te toucher, mais tu ne seras pas consacré. The oil will touch you, but you will not be consecrated. Fais le plus grand sacrifice que tout le monde. Make the greatest sacrifice Sois possible. Fidèle dans la tenue que tu vas porter en tant qu'évangéliste. Be faithful in your outfit as en evangelist. Tant que servante. As servant. En tant que chantre. As singer. En tant qu'assistant pasteur. As pastor assistant. Si tu ne te prépares pas, if you don't prepare yourself, si tu ne te sépares pas, if you don't separate yourself, l'huile va te toucher, I will touch you, mais tu ne seras pas consacré. But you will not be consecrated. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Yes. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, yeah. Holy, holy. Holy, 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 holy. Oh, yeah, yeah. Holy is the Lord. Hey, holy, 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 holy is the Lord. Il est saint. Il est saint. Il est trois fois saint. Saint, Jésus est saint. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Pendant que tu assis, ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur te prépare pour une consécration complète. Que tu sois cette personne choisie par le ciel qui va recevoir la corne remplie. Amen. Qui va recevoir une huile qui va distinguer radicalement, complètement, Amen. Brutalement ton histoire. Amen. Que cette année ne finisse pas comme elle a commencé. Amen. Et que ta vie soit une vie d'évidence. Amen. Une vie de gloire. Amen. Une vie de succès. Amen. Une vie de richesse. Amen. Une vie de bénédiction. Amen. Que la consécration cette année change radicalement l'histoire de ta vie. Amen. Et pour cela, que le Seigneur t'équipe et qu'il te prépare. Que le Seigneur t'équipe et qu'il te distingue. Que le Seigneur t'équipe et qu'il te fasse briller. Amen. Que la grâce et l'onction de Dieu soient sur toi. Amen. Et que l'amour sans fin pour le Seigneur soit déposé dans ton cœur. Amen. Que le Seigneur en cette année te distingue comme cette personne qui aime le Seigneur plus que tout le monde. Amen. Qu'un amour fou pour l'œuvre de Dieu, Amen. Pour la parole de Dieu, Amen. Pour les choses de Dieu soient déposées dans ton cœur. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis-moi Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus bien?